Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. C'est parti pour cette grande édition du soir. D'abord, les titres. John Numbi ne comparaîtra peut-être plus jamais comme prévenu dans l'affaire Tchebeya. La Haute Cour a rejeté la requête des parties civiles qui soupçonnent l'ancien patron de la police d'être le commanditaire du meurtre de l'activiste des droits de l'homme. Lambert Mende dénonce un lynchage médiatique dans l'affaire Tchebeya. Au cours d'un point de presse ce mardi, le porte-parole du gouvernement s'insurge contre ce qu'il appelle un mauvais traitement de cette affaire par certains médias étrangers, notamment français. Mende Omalanga récuse également l'élection du Rwanda au Conseil de sécurité de l'ONU. Cette élection du Rwanda n'est pas contestée que par Kinshasa. L'ambassadeur de la Hollande à Kinshasa la qualifie d'intolérable. Les Pays-Bas soutiennent que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC doivent être respectées. Enfin, il a plu abondamment ce matin dans la capitale, une pluie qui a quasiment paralysé les activités dans la ville, notamment au centre des affaires ou même la circulation. On a subi un contre-coup à certains endroits. Voilà tout pour les titres de ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous et à tous. Affaire Tchebeya, les partis civils une fois de plus déboutés. La haute cour militaire a décidé de rejeter leur requête visant la comparution du général John Numbi comme prévenu. La décision des juges est tombée à l'issue de l'audience qui a eu lieu ce mardi à la prison centrale de Makala. Comme au premier degré, la démarche des partis civils pour faire venir l'ancien patron de la police à la barre comme principal suspect n'a pas abouti. Notez également que la demande des avocats du colonel Moukalaï qui voulait obtenir sa libération provisoire a également été rejetée. Un lynchage médiatique, l'expression est de Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement qui fixe l'opinion sur les derniers événements concernant le pays, dénonce le traitement de l'information relative à l'affaire Tchebeya par certains médias étrangers. Le ministre est également revenu sur l'élection du Rwanda au Conseil de sécurité de l'ONU, une élection qu'il récuse bien évidemment. Compte rendu, Monif Bosso, Pati Alouma. Le gouvernement congolais n'est pas surpris par les conclusions finales du rapport des experts des Nations Unies sur la situation à l'Est. Le ministre des Médias a, au nom du gouvernement, pris acte de cette décision. Toutefois, Lambert Mende s'est insurgé contre l'élection du Rwanda parmi les membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette élection représente, aux yeux du ministre, un mauvais signal pour les nombreuses victimes de cette guerre d'agression. Le gouvernement de la République démocratique du Congo déplore l'admission du Rwanda en qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité pour 2 ans, car cette décision constitue un très mauvais signal en ce qu'elle banalise l'horrible situation créée par le Rwanda en République démocratique du Congo, où il continue à perturber la paix et la sécurité. L'occupation par le Rwanda d'un siège de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies n'exonère pas ce pays des obligations découlant de son appartenance à la communauté des nations. Parmi celles-ci, faut-il le rappeler, figure en bonne place l'obligation de ne pas agresser un État tiers. À propos du reportage diffusé par RFI et France 24 sur le témoignage du major Paul Mouilamboué au sujet de l'affaire Floribert Tchebeya, Lambert Mende parle d'un lynchage médiatique orchestré dans le seul but de jeter les discrédits sur le Joseph Kabila et les institutions de la République. Les objectifs poursuivis par cette action sont, d'une part, d'influencer les juges chargés de dire le droit sur le dossier Tchebeya qui reprend son cours ce 23 octobre 2012, et d'autre part, de discréditer le président de la République démocratique du Congo et les institutions politiques en place à Kinshasa, président et institutions coupables d'avoir osé tenir tête à ceux qui, en dépit de leurs propos lénifiants sur la fin des pratiques détestables de la France-Afrique, se sont autorisés ce paternalisme suranné que nous ne supportons plus lors du sommet de Kinshasa. Le 14e sommet de la francophonie organisé à Kinshasa a connu un franc succès, s'est réjoui Lambert Mende. Le pays en sort ragaillardi aux yeux de la communauté internationale.
Pour sa part, l'Union européenne parle d'urgence à mettre fin à toute aide, notamment extérieure, en faveur de la rébellion du M23. Selon un communiqué du Conseil européen, son président Herman Van Rompuy l'a souligné au cours d'un entretien à Bruxelles avec le Premier ministre congolais Matata Ponyo. L'Union européenne insiste également sur le respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Le même communiqué appelle tous les pays de la région à condamner les activités militaires des groupes armés. Un appel qui arrive plutôt au moment où les experts de l'ONU citent l'Ouganda comme soutien au M23, au même titre que le Rwanda. Des révélations troublantes quand on sait que le président ougandais est en même temps président de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Pour beaucoup dans l'opinion, il n'est pas étonnant qu'après 4 rencontres autour de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, il n'y ait aucune avancée significative. Voilà qui jette un discrédit sur la CIRGL. Commentaire de la rédaction rendu par Rosa Wazi. Y a-t-il encore une seule bonne raison de continuer à croire aux initiatives des pays déployés au sein de la CIRGL? C'est la question que plus d'un observateur se pose à la suite des révélations faites dans un rapport des experts de l'ONU qui devait être formulé, présenté au Conseil de sécurité le mois prochain. Jusqu'à une date récente, c'est Kigali seul qui était pointé du doigt comme principal soutien à la rébellion du M23. Mais les experts onusiennes viennent de mettre en lumière le degré élevé de compromission au sein de la présidence de cette organisation sous-régionale. Il est clairement établi qu'aujourd'hui, que l'Ouganda est de mèche avec le rebelle qui déstabilise la partie est de la RDC. Kampala les entretient à partir de son territoire cité comme capitale politique du M23. Ceci dit, enfin stratège, Yoweri Museveni a réussi à tromper la vigilance des observateurs, c'est comme derrière le bon rôle joué à la présidence de la CIRGL. Mais au fond, ni l'Ouganda ni le Rwanda n'ont jamais œuvré pour un retour durable de la paix dans l'est de la RDC. Tout a été fait pour distraire davantage le gouvernement, peut-on lire dans la presse. Multipliant des entraves lors des discussions pour les retours de la paix dans l'est de la RDC, les deux parties se sont livrées à une diversion qui ne tient plus aujourd'hui. L'on comprend à ces jours pourquoi la CIRGL sous la présidence ougandaise est restée évasive sur les questions essentielles, notamment les soutiens extérieurs à apporter aux rebelles, les déploiements de la force neutre internationale. Entre-temps, comme frappé d'amnésie, la RDC a continué à faire confiance à cette structure corrompue depuis la tête. Kinshasa a tenu jusqu'au bout, convaincu de la bonne foi de ses pairs de la CIRGL à contraindre les agresseurs à rompre tout soutien au M23. Mais c'était sans compter avec le degré des compromissions atteints par les autres pays membres. Kigali et Kampala se comportent en frères siamois dans la déstabilisation de l'est de la RDC. L'un ne pouvant pas avancer sans l'autre, tous ces règles sur les partages du butin de guerre. Le masque étant tombé, la RDC devrait envisager une option autre que les interminables discussions de la CIRGL. Les discrédits est tellement pâte qu'il serait absurde que Kinshasa continue à prêter foi à cette distraction inouïe. La Cour pénale internationale fête ses 10 ans, en fait, depuis le 1er juillet dernier. Le statut de Rome qui fonde son action totalisait une décennie depuis son entrée en vigueur. En marge de cet anniversaire, des journées scientifiques sont organisées à Kinshasa pendant 3 jours. Le thème de ces journées est le statut de Rome de la CPI 10 ans après, état des lieux et perspectives pour la justice congolaise. Compte rendu avec Jemima Mugo, Christopher Kalanda et Job Mpeke. Une décennie d'existence depuis l'entrée en vigueur du statut de Rome en 2002 dans l'optique du renforcement de l'état de droit et le rétablissement des victimes dans leurs droits. Cette haute juridiction mondiale se bat depuis 10 ans contre l'impunité dans le monde. Les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les crimes de génocide commis à travers la planète ne passent inaperçus désormais. Patrick Tiboui, assistant à la représentation de la CPI à Kinshasa, explique l'importance des journées scientifiques à cette occasion. Cette activité qui est organisée dans le cadre de la commémoration des 10 ans
de l'entrée en vigueur du statut de Rome, la Cour pénale internationale, a pour objectif de réfléchir sur une évaluation de ce bilan de 10 ans, mais une évaluation afin d'en tirer les conséquences ou afin d'en tirer un impact ou des idées ou des pratiques qui pourraient inspirer, renforcer le système judiciaire congolais. En ce qui concerne le partenariat entre la CPI et les juridictions congolaises, Urbain Nzaki Mwena, l'un des organisateurs, précise que la République démocratique du Congo doit fournir des efforts pour améliorer la crédibilité de ses juridictions. La justice en RDC a encore beaucoup d'efforts et de travail à faire pour répondre aux standards internationaux qu'on attendait. Mais néanmoins, vous devez savoir qu'il y a des efforts très importants qui ont été fournis jusqu'ici et qui continuent à être fournis au jour le jour par la justice congolaise. Par ailleurs, au terme de ces journées scientifiques, un recueil sera produit pour servir d'outil de recherche. Ces rencontres vont se clôturer jeudi prochain. La sidérurgie de Maluku a un nouveau partenaire privé, c'est la firme américaine Global ITCN. Ce partenariat a pour objectif le redressement de la saucidaire en difficulté depuis plusieurs années maintenant. La cérémonie de remise et reprise a eu lieu ce mardi au grand soulagement des agents de l'entreprise. Doudou Ndombe, Dieu merci ce cas. La durée du contrat est de 20 ans. Global ITNC hérite d'un passif de plusieurs mois du géant saucidaire. C'est depuis 2009 que les concessions ont été amorcées entre le gouvernement congolais et cette entreprise américaine. Reportée à plusieurs reprises, la cérémonie intervient à la satisfaction du personnel qui crie à la délivrance car la saucidaire n'existait plus que de nom. Le président du Conseil supérieur du portefeuille, qui a voulu jouer à l'apaisement, explique que ces contrats suscitent un espoir pour l'État congolais dans son ensemble. La situation que nous connaissons est telle que le mode de fonctionnement de l'entreprise face aux difficultés de l'État nous a amené à ce qu'on appelle une concession. Il y a plusieurs modes. On aurait pu chercher quelqu'un pour dire, voilà, on va se mettre ensemble, chacun donne de l'argent et nous allons de l'avant. Mais l'État a des difficultés, il ne pourra pas trouver de l'argent aujourd'hui pour mettre. Saucidaire est désormais devenue une société anonyme à responsabilité limitée. Le nouveau mandataire sait en quoi s'en tenir. Sa priorité sera sans doute de celle de régler un passif social aussi lourd que les apports de nouveaux associés. Par manque de moyens ou par mauvaise foi de l'équipe sortante, les agents ne travaillaient pas tous les jours et l'usine de Maluku avait arrêté de fonctionner depuis belle lurette. Le nouveau partenaire reste cependant confiant. It's time for tous les very, soutiens very supportive workers que nous avons eu et tous ces discours de travail qui sont dehors et nous devons maintenant tourner vers le défi qui nous attend et pouvoir commencer le travail. La sidérurgie de Maluku, créée en 1970, faisait la fierté du pays. Sa production en barres de fer et d'autres dérivés du cuivre était considérable. Cette activité matérialise les réformes engagées par le gouvernement dans le cadre de la réforme des entreprises du portefeuille de l'État. Elle est désormais effective, la paye des agents de l'État par voie bancaire en province orientale. Depuis lundi, les banques sélectionnées pour cette opération ont ouvert des comptes pour tous les fonctionnaires de l'État enregistrés. Des précisions sur le déroulement de cette opération dans cette correspondance de notre envoyé spécial à Kisangani, à Donchemisi. C'est désormais officiel, la province orientale offre une victoire en ce qui concerne la bancarisation des agents et fonctionnaires de l'État. Le coup d'envoi de cette opération a été donné hier lundi par le gouverneur Abi de la province orientale. Devant les ministres et d'autres autorités politico-administratives, le gouverneur Abi de la province orientale, Jean-Claude Essouka, a affirmé que la bancarisation est une opération à la fois audacieuse et salutaire. Elle s'inscrit dans la droite ligne de la bonne gouvernance, explique-t-il. Pour sa part, Fabrice Tiboui, secrétaire permanent à la réforme du système de la paye et chef de mission à Kisangani, s'est étendu sur la présentation de la bancarisation de la paye. Depuis Kisangani, Adam Chimissi, pour le compte de Télé7. Un accord entre le gouvernement congolais et la coopération japonaise. Le ministre en charge des infrastructures a signé ce mardi un protocole d'accord avec JICA
pour la poursuite des travaux de réhabilitation et de modernisation de l'avenue des Poids Lourds. La cérémonie a eu lieu au cabinet du ministre. Je vous propose de suivre les propos du représentant de la JICA après la cérémonie de signature. Nous avons déjà commencé la première tronçon de deuxième phase, de 14e lieue jusqu'à Force Navale. Et le problème, c'est-à-dire que deuxième tronçon de deuxième phase, et de Force Navale jusqu'à Gare Centrale, là où il y a beaucoup d'obstacles. Et aussi, le gouvernement congolais doit compléter le budget pour l'élargissement. Et compte rendu qu'on a signé avec M. le ministre de l'ITPL, et c'était surtout la promesse comme quoi à la disposition congolaise et concernant obstacles et financement. Nous avons bien mentionné et la date de limite de chaque problème, soit obstacle, soit financement, telle date, le gouvernement congolais doit compléter. C'était bien écrit dedans. L'état des infrastructures routières à l'échelle nationale reste une vraie préoccupation pour le gouvernement de la République. Fridolin Kasuichi a échangé lundi à bâton rompu avec les élus du Nord Kivu plutôt. Question d'évaluer ensemble l'état des routes dans cette partie du pays. Élisée Bilonda, Blanchard Kandol. C'est dans un climat de convivialité et dans une ambiance familiale que Fridolin Kasuichi Musoka échange avec les élus de Beni, toutes tendances confondues. Ces élus du peuple se disent préoccupés par l'état général des infrastructures routières dans leur province. Ils demandent au ministre de tutelle de prendre compte certains axes routiers dont le trafic est élevé pour envisager la possibilité d'asphaltage. C'est le cas de la route Beni-Kassindi. Il souhaite également que la gestion du Fonds national d'entretien routier soit décentralisée pour lui permettre de faire des interventions d'urgence quand les routes se dégradent dans leurs territoires respectifs. Il était important que le ministre puisse nous rassurer et d'une mission qui lui est revenue, n'est-ce pas, celle de dire que d'ici deux jours, d'ici deux mois, d'ici un mois, il y aura des résultats probants qui vont faire que la population au niveau de chez nous soit au mieux rassurée. Il vient de nous dire déjà que dès demain, le DG sera sur place pour discuter avec tous les commerçants et ainsi que le gouverneur de la province. Le ministre en charge des infrastructures, travaux publics et reconstruction a salué l'esprit de travail qui caractérise les élus du Nord Kivu. Les défis sont énormes, mais les gouvernements promettent de mettre toutes les batteries en marche pour pallier cette situation. Le processus commence sur l'axe Beni-Kassindi avec une consolidation qui va préparer la route et des études qui tiennent compte des différents paramètres technico-économiques permettront d'envisager l'asphaltage. Fridolin Kasuichi Musoka se dit disposé à rencontrer les préoccupations des élus de Beni chaque fois qu'ils le solliciteront. Terminons avec le ministre des ITPR qui n'a pas eu de répit ces derniers jours. Fridolin Kasuichi a également échangé avec le caucus des députés nationaux de l'Ituri sur l'état des infrastructures dans cette autre partie du pays. Un mémo de la société civile du Haut-Tuélé lui a été remis des mains du sénateur Lola Kisanga. L'honorable Mbouleyo, c'est un notable. Le gouverneur intérimaire de la province orientale, Ismaël Arama, et les sénateurs Jean-Pierre Lola Kisanga sont allés remettre le mémorandum de la société civile du Haut-Tuélé au ministre Fridolin Kasuichi Musoka. Ce document reprend les inquiétudes de la population sur l'état des infrastructures routières. C'était plutôt un échange fructueux entre le ministre en charge des infrastructures et ses hôtes. Fridolin Kasuichi Musoka a promis par le biais du gouvernement de trouver des solutions dans la mesure du possible pour le bien-être de toute la population. C'est une satisfaction pour Jean-Pierre Lola Kisanga. Fridolin Kasuichi Musoka a également échangé avec les caucus des députés nationaux de l'Ituri. Parmi les préoccupations soulevées, les travaux d'asphaltage de la voirie urbaine de la ville de Bunia, mais aussi les réseaux routiers de l'Ituri, dont la route Bunia-Komanda-Kisangani et Bunia-Maagi-Golu, à la frontière avec l'Ouganda. Les élus de l'Ituri demandent au ministre de faire respecter les normes modernes en matière de construction des routes. Nous sommes très satisfaits même, je dirais, de la réponse que le ministre nous a réservée. Le ministre adhère à notre logique, le ministre adhère à la logique de la population de l'Ituri, que il faut asphalter notre voirie urbaine, qu'il faut arranger totalement nos réseaux routiers en Ituri. Donc, il a promis qu'il va s'améliorer à travers lui, le gouvernement. Nous le disons merci.
Fridolin Kasuechi Moussoka a promis de garder un œil vigilant pour que les travaux s'exécutent dans les normes et surtout selon les standards internationaux. La pluie qui s'est abattue ce matin à Kinshasa a quasiment paralysé la ville. Au centre des affaires, l'ambiance habituelle n'était pas au rendez-vous. À cela s'ajoute une circulation pénible à plusieurs endroits. En dehors de chez nous, le président béninois échappe à la mort. Boni Yayi aurait échappé à un empoisonnement de la part de ses proches collaborateurs. Trois d'entre eux ont été inculpés ce mardi, selon des sources officielles. Aux États-Unis d'Amérique, l'ultime débat télévisé entre Obama et Romney a eu lieu lundi. La politique étrangère était au menu et le président sortant a su mettre en exergue son expérience, qualifiant son concurrent d'imprudent ou d'inconstant. Un débat qui a tourné en faveur de Barack Obama selon un sondage de CBS, même si les deux candidats sont toujours au coude à coude à environ deux semaines du scrutin. Euronews. Pour ce troisième et dernier débat avant la présidentielle, Barack Obama et Mitt Romney ont croisé le fer sur la politique étrangère. Le candidat démocrate est passé à l'offensive, alternant entre les postures de chef des armées ou de fossoyeur d'une décennie de guerre coûteuse. Il s'est montré pugnace face à un adversaire pointant sa faiblesse avec l'Iran et son incapacité à empêcher la résurgence du terrorisme. Je le félicite pour avoir éliminé Oussama Ben Laden et combattu la direction d'Al-Qaïda. Mais tuer n'est pas la seule solution. Nous allons devoir mettre en place une stratégie très compréhensible et solide, et cela pour aider le monde musulman et d'autres parties du monde à rejeter cet extrémisme violent et radical. Gouverneur Romney, je me réjouis que vous reconnaissiez qu'Al-Qaïda est une menace. Car il y a quelques mois, lorsqu'on vous a demandé quelle est la principale menace à laquelle l'Amérique est confrontée, vous avez répondu « la Russie ». Pas Al-Qaïda, vous avez dit « Russie ». Mais la guerre froide est terminée depuis plus de 20 ans. En matière de politique étrangère, gouverneur Romney, on dirait que vous voulez importer les politiques des années 80. M'attaquer, moi, ce n'est pas un programme, ce n'est pas débattre, comme nous en avons l'opportunité, de la manière dont nous allons gérer les défis au Moyen-Orient et juguler cette violence. Je sais que vous n'avez pas eu l'occasion d'appliquer une politique étrangère, mais à chaque fois que vous avancez une opinion, eh bien vous avez tort. Vous étiez favorable à l'intervention en Irak alors que l'Irak n'avait pas d'armes de destruction massive. À deux semaines de l'élection présidentielle du 6 novembre, la plupart des sondages donnent les deux candidats au coude à coude. En général, la politique étrangère n'est pas un facteur décisif dans les choix électoraux des Américains. Place à présent à la revue de presse, les journaux parus ce mardi dans la capitale congolaise nous sont sélectionnés par Rosa Wazi qui nous rejoint. C'est encore l'Est de la RDC qui fait la une de journaux parus ces mardis dans la capitale. Considéré comme le journal avant-gardiste, le potentiel attaque s'y régèle le discrédit. Le journal s'interroge s'il y a encore une seule bonne raison pour la RDC de continuer à croire aux initiatives de paix déployées au sein de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs s'y régèle dès lors qu'il est établi que l'Ouganda n'a jamais été avec la RDC. Pas étonnant qu'après quatre rencontres autour de Museveni, aucune avancée significative n'ait été trouvée sur le front diplomatique. L'ombre d'un discrédit hante désormais la Sirégel qui a perdu sa crédibilité dans la résolution de la crise dans l'est de la RDC. Les masques étant tombés, dévoilant au grand jour la cohérence de l'Ouganda avec le M23, la RDC doit envisager une option autre que les interminables discussions de la Sirégel. Les discrédits épatent qu'il est dès lors indiqué de ne plus prêter foi à cette distraction inacceptable. Les phares parlent de la menace de l'Ouganda de suspendre sa médiation. Le gouvernement ougandais est fort irrité d'apprendre que le comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies serait prêt à les frapper à cause de son appui militaire, financier et logistique à la rébellion du M23. Le régime de Kampala a fait savoir à l'agence Reuters qu'il suspendrait immédiatement sa médiation dans la crise congolaise entre le gouvernement de Kinshasa et les mutins du M23 dès que le comité des sanctions du Conseil de sécurité confirmerait les allégations portées contre lui dans les rapports finaux du panel des experts onusiens.
Le 1-23 s'est mis en arc, écrit l'Observateur. Le mouvement du 23 mars s'est métamorphosé en créant une branche armée, l'armée révolutionnaire du Congo, pour, selon les rebelles du M23, faire l'assaut final que les forces armées de la République démocratique du Congo, FRDC, sont en train de préparer contre eux sur le front de la relance des hostilités mise en veillance pendant plusieurs semaines et des mises en place de la force neutre internationale au mois de décembre. La frontière entre la RDC et le Rwanda sera désormais fermée entre 18h et 6h du matin. C'est un communiqué publié le dimanche 21 octobre. Le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, évoque un réaménagement des horaires d'ouverture et des fermetures de frontières entre Goma et Gisenyi. Le poste frontalier de la Grande et la Petite Barrière ouvriront désormais à 6h juste du matin et fermeront à 18h juste heure locale. Mais les communiqués n'expliquent pas les raisons de cette décision. Ils se limitent à indiquer que la mesure est en exécution des instructions du gouvernement datant du 19 octobre 2012. Cette frontière était ouverte 24 heures sur 24 en phase expérimentale depuis près d'une année à la suite d'une recommandation de la communauté économique de pays de Grand Lac, CPGL, dans le cadre de relance des activités entre le Burundi, le Rwanda et la RDC. Voilà Patrick Tiamala, l'essentiel de journaux parus aujourd'hui à Kinshasa. Merci Rose pour cette revue de presse qui vient mettre fin à ce journal, madame, messieurs. Merci de nous avoir suivis et merci de rester avec nous sur la télé républicaine.